des conditions qui s'améliorent enfin du côté de la Canon. Bonjour à toutes et à tous, on commence la journée avec un temps variable à dégager, une température extérieure à 5 degrés, une température de l'eau à 13 degrés, une marée qui est en train de finir de descendre, le plein bas est à 8h55, coefficient 70, les conditions s'améliorent parce que le vent revient side offshore ce matin, sud-sud-est, un beau fort établi rafale à 2, le plan d'eau un peu ridé mais propre, et on a une houle qui est longue et qui n'est plus grosse et longue. Une houle longue avec 12 à 13 secondes de période, orientée ouest, qui est sectionnée en nette atténuation. On est sur un déferlement régulier à 2 mètres, et sur les séries, il y a 2,50 mètres. Voilà, c'est ce qu'il y a les 3 quarts du temps. Peut-être qu'il y a une série qui traîne à la hauteur de 3 mètres. La marée est un peu basse, on voit qu'il y a des bancs, c'est pas hyper calé, c'est une houle encore un peu agitée. Mais il y a quelques bouts qui passent au large, quelques bouts qui passent au bord, un peu aléatoire, personne à l'eau. Bon, pour les motiver, vous voyez la petite gauche là au bord, il y en a de temps à autre. Il y a une droite un peu plus loin ou large là-bas, là, qu'on voit dérouler dans le blanc un peu. Bon, un peu sélectif, pas super calé, mais praticable pour les motiver, sinon les spots de repli. Évolution pour le reste de la journée, la houle baisse à la mi-journée, regrossit en soirée. La bouée arcachant est pour le moment à la baisse avec des relevés raisonnables à 3,60 m et 7 secondes. Et donc on attend à 13h plus que 2,50 m sur les plus grosses séries. Plutôt rare avec une houle ouest avec 12 secondes de période et un vent de sud-sud-est 3-4 Beaufort, et à 17h ça devrait regrossir vers 2,50 à 3 mètres. Houle ouest 12 secondes de période, mais ça se dégrade avec le vent sud-sud-ouest 3-4 Beaufort. Donc créneau ce matin, la canot pour les motiver, spot de repli plus facile. Bonne journée, prochain pour 11h30, merci.